votre transfert est terminé. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je n'ai rien préparé, contrairement à notre présentatrice Françoise, je vous remercie. Merci aux musiciennes et aux musiciens pour leur assiduité aux répétitions et à notre génie acteur qui a monté ce programme. J'ai des excuses à Anne-Laure Blanc, je veux pas m'être invité, là ce soir, elle a beaucoup de Sainte-Barbe, c'est la période. Je remercie également la municipalité, monsieur le maire, pour son aide financière et le coût à disposition pour la route. Je remercie moi aussi à monsieur Denis Palampin qui veut dire quelques mots, c'est le représentant pour le Ménoir de la CMF, la Confédération Musicale de France, à laquelle nous adhérons. Fabrice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que vous avez. Juste un petit mot très rapide. On a l'habitude, et ça fait toujours plaisir, d'accueillir de nouveaux musiciens et de nouvelles musiciennes. Le dernier concert, effectivement, c'était il y a un an, on n'a pas pu en faire un au mois de mars. On avait la dernière Julien qui faisait ses débuts à la percussion, qui tout à l'heure a fait son morceau. Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est facile celle-là. C'est vrai que quand on est dans un pupitre avec plein d'autres musiciens, c'est toujours facile. Quand on est tout seul face à la batterie, c'est un grand moment de solitude. Donc chapeau pour toi, Julien, pour ton morceau tout à l'heure. Et puis on a la chance d'accueillir deux nouvelles musiciennes au saxophone. Oui. Donc Mélanie, qui est juste à côté de moi, tu peux se lever. Et Pascal qui nous a rejoint il n'y a pas bien longtemps. Voilà. Après, on est dans la période où il faut faire du covoiturage, tout ça, l'environnement, ceci. C'est intéressant parce qu'en fait, elle vient avec son mari. Donc, comme ça, c'était peut-être pas conscient. Bon, je m'ai entendu et puis vous peut-être mieux pas entendu. Allez, merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Denis, monsieur le maire, peu importe, dans l'ordre où vous voulez. Allez, on va commencer par vous. Merci d'abord, je vais dire que deux mots. Déjà, surtout, féliciter et remercier les musiciennes et les musiciens. Vous avez fait une très belle prestation ce soir. Il y a un groupe qui est vraiment fantastique, là. Ça vous a fait plaisir, et je sais que ça vous fait plaisir aussi. Donc là, c'est vraiment des moments de convivialité qui sont sympathiques. Donc un grand merci, puis merci à vous tous, parce que le fait que Zouk nous propose un concert, et en plus c'est gratuit, c'est aussi pour vous. Pour vous, et merci d'être venus le plus nombreux possible. C'est pas toujours évident, là vous avez changé un petit peu, c'est cette histoire, peu importe. Mais quand on aime, on peut venir. Donc un grand merci à tous, bien sûr, je remercie le président et le chef, parce que sans le chef, on n'a pas grand-chose, c'est d'accord. Il faut un chef. Voilà. Un grand merci à vous tous, et puis je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Voilà. Je compte sur vous pour les menus verts. Je vais t'accoucher. Voilà, ils seront là, et ça sera le 9 janvier, dans cette même salle. Et puis je vais donner la parole, laisser le micro à au président des musiques du département, si je ne dis pas de bêtises. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le président. Je ne vais peut-être pas
l'habitude en fait de venir ici, c'est toujours un grand plaisir de venir vous écouter tous, parce que je viens non seulement en tant que président de la Confédération musicale de France pour le département de Maine-et-Loire, mais aussi en tant qu'ami, parce que j'ai toujours un grand plaisir à me retrouver à Brasse-sur-Allon pour venir. On a vécu des moments difficiles. Ça fait maintenant 3 ans, moi, que je n'ai pas eu l'occasion de venir me filmer devant les orchestres, pratiquement. Et on a vécu des moments difficiles, et c'est quand même un grand bonheur de voir des orchestres d'harmonie qui sont non seulement compétents, mais aussi jeunes, dynamiques. Et je pense que voilà, c'est une richesse que vous avez sur vos territoires. Et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et le plus grand plaisir que peuvent avoir les musiciens, c'est votre présence. Vous êtes nombreux. Alors c'est vrai, quand même, monsieur le maire, c'est un changement un petit peu, mais il n'empêche que vous êtes nombreux, et ça, ça réchauffe le cœur de tous les musiciens et de toutes les musiciennes qui sont sur scène. Oui, c'est un plaisir de jouer, mais c'est aussi beaucoup de travail. On l'a encore constaté ce soir. Fabrice, je te connais, je sais à quelle rigueur tu appliques les règles musicales, et il y a du super musical. Donc moi, je n'ai qu'une chose à dire, à vous encourager, à continuer comme ça. Vous êtes un super groupe, et puis voilà. Bonne longue vie à votre orchestra, et puis vive la vie. Allez, jusqu'à début décembre, on a monté ce programme entièrement en 3 mois. Vous en voulez un écho en passant ? Je n'étais pas sûr. Alors, on vous propose de prendre le dernier, si vous voulez. Oui ? Allez, c'est parti. Thank you.
Paris.